Bonjour, dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer une méthode qui est assez simple à mettre en place et qui a la potentialité de te faire gagner entre 300 à 400 dollars par semaine sur Internet grâce à Pinterest. Eh bien oui, je suppose que tu connais la plateforme Pinterest car Pinterest est une plateforme de réseaux sociaux très connue et très populaire dans le monde. Et si tu ne le savais pas, eh bien des millions de gens utilisent cette plateforme pour gagner de l'argent pour faire tourner leur business en ligne en tant que source de trafic. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Pinterest et une autre plateforme pour créer un business en ligne qui te sera rentable et te fera gagner beaucoup d'argent tous les jours et toutes les mois. Eh bien les amis, je vous rappelle que cette méthode est applicable n'importe où vous êtes dans ce monde. Tu peux l'appliquer non seulement depuis ton ordinateur, mais aussi avec une tablette et un smartphone et c'est 100% gratuit. Eh bien, avant de commencer, j'insiste, il est absolument important de regarder toutes les étapes de cette vidéo dans l'ordre si tu veux bien comprendre comment appliquer cette méthode comme il le faut. Alors, je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Alors, sans plus tarder, passons à l'étape numéro 1 qui est le choix d'une niche. Alors, la première des choses que tu dois faire est déjà de bien choisir une niche, une thématique dont ça peut être absolument la perte de poids, le sport, comment gagner de l'argent, la spiritualité et bien d'autres. Donc choisis absolument ce que tu veux. Dans cette vidéo, je vais choisir comme exemple comment gagner de l'argent sur Internet. Et pour être plus précis, je vais choisir comment gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. Alors dans le cas où tu ne sais pas quoi choisir, le conseil que je vais te donner est de choisir quelque chose qui te passionne. Ou du moins quelque chose que tu aimes bien. En gros, évite de choisir une niche qui ne t'intéresse pas ou quelque chose que tu n'aimes pas du tout. Alors une fois que tu as décidé de ta niche, la deuxième des choses que tu vas faire est de passer maintenant à la création d'un compte Pinterest. Ce qui nous ramène très vite à l'étape 2 qui est la création d'un compte Pinterest. Et oui, dans le cas où tu n'as pas de compte Pinterest, la création d'un compte Pinterest est absolument gratuite. Tu n'as pas besoin de payer quoi que ce soit. Alors là, je vais te montrer comment faire ça depuis ton ordinateur. Et oui, comme vous le voyez, je suis sur la page de présentation du site Pinterest ici comme ça. Une fois que vous avez appuyé sur le lien dans la description de la vidéo, vous allez atterrir sur cette page là ici comme ça. Ok? Qu'est-ce que vous allez faire tout simplement pour créer votre compte? Il suffit d'appuyer sur s'inscrire ici comme ça. Ok? Et vous allez arriver sur cette page là. Ensuite, vous allez appuyer sur continuer avec une adresse email ici comme ça. Et ensuite, on vous demande votre email, tout simplement votre mot de passe et ensuite vous entrez votre âge et vous appuyez sur continuer. Ou alors tu peux t'inscrire en connectant ton compte Facebook ou ton compte Google. Voilà donc, tu as trois options pour créer ton compte. Alors moi, je vais plus le faire tout simplement parce que moi j'ai déjà un compte. Et bien, dans le cas où tu as déjà un compte, tu peux tout simplement utiliser ton compte existant, rien ne t'empêche de l'utiliser. Mais seulement dans le cas où ton compte déjà existant est dans la thématique que tu viens de choisir. Dans le cas contraire, tu risques de recréer un nouveau compte, sinon ça ne va pas fonctionner. Oui, une fois que tu as créé ton compte Pinterest, tout ce que tu as à faire maintenant est tout simplement de te connecter à ton compte Pinterest. Une fois que tu te connectes, eh bien tu devrais arriver sur une page d'accueil Pinterest ici comme ça. Et oui, je te rappelle que Pinterest est une plateforme de réseaux sociaux où il y a des millions et des millions de personnes qui se connectent à leur compte Pinterest tous les mois. Et toutes ces personnes utilisent leur compte Pinterest pour leur business en ligne, soit pour payer leurs produits qu'ils en ont besoin. Par exemple, je vais cliquer sur cet épingle ici, là, comme vous pouvez le voir, sur cet épingle ici. Et là, regardez le résultat. Nous avons une image ici, comme vous pouvez le voir. Nous avons un titre, nous avons une description. Mais ce qui est encore super formidable avec ce système d'épingle, est que si je clique sur l'image, je vais être redirigé vers le lien de cet épingle. Alors, du coup, tu as déjà compris, ok? Eh bien, nous allons utiliser ce même système, comme vous pouvez le voir ici. J'ai appuyé sur l'épingle ici et ça m'a redirigé vers le produit en question ici comme ça. Donc c'est ce produit qui se vend derrière cet épingle ici comme ça. Ok, donc ce qui est bien que nous, si nous allons utiliser ce même système d'épingle pour promouvoir des produits, c'est à dire utiliser ce trafic énorme de Pinterest pour rediriger les gens vers nos produits qu'on veut vendre et gagner de l'argent. Oui, je sais déjà que tu commences par te demander comment mettre tout ça en place. Non, t'inquiète pas, je vais te montrer exactement comment mettre tout ça en place étape par étape de manière très formidable pour commencer par générer de l'argent. Alors n'oublie pas, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce qui nous ramène directement à notre troisième étape qui est la création d'un compte system.io. Et oui, je suppose que tu connais cette formidable plateforme qui s'appelle system.io. Et si tu ne le connais pas encore, eh bien System.io est une plateforme de marketing tout en un qui est absolument indispensable pour créer et lancer un business en ligne. Et oui, comme tu peux le voir, si je descends un peu, tu peux voir qu'avec System.io, tu peux faire une tunnel de vente pour vendre par email marketing, tu peux héberger une formation en ligne, tu peux créer un blog,
tu peux aussi vendre des programmes d'affiliation. Ok? Et la partie la plus cool est que tu peux créer ton compte système.io aujourd'hui même gratuitement. Alors, je te mets le lien dans la description de la vidéo. Et oui, pour que tu accèdes au site rapidement, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour accéder à système.io et créer un compte gratuitement. Alors, pour créer ton compte gratuitement, c'est tout simple. Une fois que tu arrives sur la page d'accueil du système.io ici, comme moi ici, tout ce que tu auras à faire est de cliquer sur le bouton bleu ici, commencer gratuitement. Ok, maintenant tu mets une adresse email ici et tu cliques sur commencer gratuitement et c'est tout. Tu as fini de créer ton compte. Oui, sûrement que tu vas recevoir un email dans ta boîte mail pour activer ton compte système.io. Ok, je t'invite à le faire très rapidement. Ok, une fois que tu as bien créé ton compte, eh bien, tout ce que tu auras à faire est de se connecter à ton compte. Tu cliques sur connecter ici comme ça, ensuite tu entres ton email et ton mot de passe. Ensuite, tu cliques sur le bouton bleu ici et tu vas atterrir sur ton tableau de bord ici, comme pour moi ici comme ça. Eh bien, la première des choses très importantes à faire une fois connecté est de venir sur ton profil ici comme ça et de cliquer sur paramètres ici comme ça, ok? Et oui, une fois cliqué sur Greglai, tu vas arriver sur une page ici comme ça, comme tu peux le voir ici. Et ici, tu vas remplir toutes ces informations personnelles. Ouais, ici, on te demande ton prénom, ton nom, ton numéro de téléphone et plein d'autres choses, ok? Très important à régler, à remplir, ok? Et voilà la partie la plus importante. Tu cliques sur le paramètre d'affiliation ici comme ça et là, tu vas devoir mettre ton mode de paiement. Alors, tu as deux options, tu peux cliquer sur PayPal soit Virement bancaire. Alors comme moi, tu peux cliquer sur PayPal ici et tu mets directement ton email de ton compte PayPal tout simplement et tu appuies sur sauvegarder. Ok, c'est très important, n'oubliez pas d'appuyer sur sauvegarder pour enregistrer toutes vos modifications. Une fois que tu as bien paramétré ton compte système.io, eh bien tu vas aller sur la marketplace. Alors pour aller sur la marketplace, tu vas mettre la souris sur le tableau de bord ici et tu cliques sur marketplace ici comme ça. Alors c'est quoi la marketplace? Eh bien la marketplace est une plateforme d'affiliation intégrée dans système.io. Et donc ici tu peux y trouver des milliers de produits que tu peux promouvoir pour gagner des commissions d'affiliation. Eh bien comme toi-même tu peux le voir ici, c'est des produits d'affiliation qu'on peut promouvoir sur système.io et gagner de l'argent que tu vois ici comme ça. Et il y a plein de produits qu'on peut promouvoir et gagner de l'argent avec système.io. Alors nous allons maintenant faire une recherche dans la niche que moi-même j'ai sélectionné dans l'exemple de cette vidéo pour trouver un produit à promouvoir. Donc je vais taper dans la barre de recherche ici crypto monnaie. Alors bien évidemment toi tu feras ta recherche et bien tu taperas quelque chose qui est pertinent à ta niche. Donc moi j'ai choisi la crypto monnaie, donc toi tu choisiras quelque chose qui est pertinent dans ta niche. Donc là je vais taper dans la barre de recherche crypto monnaie et je clique sur le site ici comme ça. Et ensuite une fois que nous avons les résultats ici comme ça, je vais cliquer sur les 30 derniers jours ici, ok, pour afficher les produits qui ont généré le plus d'argent ces derniers 30 jours. Comme on peut le voir ici, il y a des bonnes formations sur comment gagner de l'argent en ligne avec des crypto-monnaies ici comme ça. Exemple, nous avons ici des Kingdom qui a généré plus de commissions ces 30 derniers jours. Ok, ça a l'air très intéressant. Donc, je vais cliquer sur ce produit et maintenant, me voilà sur la page de vente de ce produit. Eh bien, alors, comme tu peux le voir ici, nous avons la photo du produit en question ici comme ça. Comme tu peux le voir, nous avons le taux de commission du produit qui est de 40%. Ok, nous avons aussi la commission totale gagnée qui est de plus de 3000 euros. Ok, et nous avons ici là, une description du produit et des informations en question du produit ici comme ça. Comme tu peux le voir, ok. Eh bien, je suis sûr qu'on peut se faire 70 euros par vente avec ce produit là. Ici comme ça comme vous le voir ici. Alors bien évidemment le but n'est pas qu'on fasse une seule vente par jour, le but est qu'on fasse plusieurs ventes par jour et que ça tourne en boucle, ok. Donc c'est un revenu passif qu'on veut installer ici comme ça. Et oui, ça paraît très difficile mais ça ne l'est pas du tout. À partir du moment où tu fais la promotion de ce produit au bon endroit et que tu montes ce produit à un trafic très ciblé, c'est à dire les gens qui sont très intéressés par ce genre de produit. Et c'est exactement ce que nous allons faire dans cette vidéo là ici. Alors reste jusqu'à la fin pour ne rater aucune étape. Alors si je clique sur promouvoir l'offre ici, eh bien nous avons ici la page de vente de ce produit là ici comme ça. C'est une page de vente avec des informations sur le produit. Et tu peux voir ici même une vidéo du produit en question ici comme ça. Eh bien ces pages sont optimisées par des experts pour faire des ventes. Donc en général ce genre de pages ont un taux de conversion très élevé. Donc ta part de travail c'est tout simplement attirer du trafic ciblé vers cette page et ensuite cette page s'occupera de la partie vente. Et à chaque fois que tu feras de vente, tu recevras tes 40% de commission tout simplement, ok. Alors maintenant la question est de savoir comment promouvoir ce produit. Eh bien c'est très simple. Déjà il te faut les liens d'affiliation de ce produit. Alors tes liens d'affiliation c'est tout simplement l'URL de cette page de vente. Donc pour récupérer ton lien d'affiliation de ce produit, clique sur le bouton promouvoir l'offre. Ça va t'ouvrir cette page de vente ici comme ça.
Et tu vas récupérer tout simplement Ruel de cette part ici comme ça, comme tu me le vois faire, ok? Et ensuite, tu peux partager ce lien ici comme ça pour commencer par gagner tes 40% de commission sur toutes tes ventes. Et bien alors, une fois que tu as récupéré le lien de ton produit, la prochaine étape est la plus importante. Celle d'utiliser la puissance de Pinterest pour générer des trafics ciblés vers cette page de vente pour commencer par faire de vente. Alors je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que à la fin de cette vidéo je te donnerai un conseil qui est très puissant qui te permettra de rendre cette méthode largement plus efficace. Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc sans plus tarder, passons à notre quatrième étape qui est le trafic puissant de Pinterest. Alors je vais retourner sur mon compte Pinterest et voilà, je suis comme ça sur la page de mon compte Pinterest ici comme ça. Maintenant nous allons créer des épingles sur Pinterest pour justement rediriger un maximum de trafic ciblé vers notre page de vente. Alors c'est quelque chose qu'on va créer, on va prendre le temps pour bien créer, ok? Et oui bien, pour créer des épingles, nous allons faire une recherche sur Pinterest pour voir les épingles qui existent déjà et qui ont un taux de conversion très élevé. Donc comme vous pouvez le voir, on va taper ici crypto-monnaie, ok? Et voici le résultat. Donc, nous allons faire des épingles qui sont dans ce genre-là, voilà. Donc, avec des images comme ça. Alors, pour créer ce genre d'épingles, c'est très simple. Nous allons maintenant utiliser un site qui s'appelle canva.com, ok? Et bien, comme tu peux le voir, je suis comme ça sur mon compte Canva ici, comme ça. C'est un site gratuit. Le lien est dans la description de la vidéo. Donc, si tu n'as pas encore créé ton compte Canva, crée ton compte Canva dès maintenant, très rapidement avec le lien qui est dans la description de la vidéo. Je te rappelle que c'est gratuit. Et ensuite, on va taper dans la barre de recherche ici, épingle Pinterest. Eh bien, tu peux voir ici que Canva te propose des formats épingle Pinterest ici comme ça. Et c'est ce que tu vas faire est de cliquer sur le premier lien ici, ce qui va te ramener directement sur cette page ici comme ça. Eh bien, tu peux voir, le site te propose des thèmes de templates qui sont déjà prêts. Tu peux juste tout simplement sélectionner une de ces templates et le modifier à ta façon. Oui, donc tu as deux options pour créer une épingle. Soit tu commences à partir de rien ou alors tu sélectionne une de ces templates ici et ensuite tu pourras le modifier comme tu veux. Et évidemment, comme vous pouvez le voir, je vais sélectionner une de ces templates ici comme ça que je peux le modifier comme je veux. Donc comme vous pouvez le voir, je vais sélectionner le premier template ici comme ça. Donc je vais le modifier. Vous pouvez voir que je peux toutefois remodifier tout ce qui est ici à ma guise. Donc je vais remodifier quelques écritures et importer quelques images qui correspondent bien à ma niche. Ok, bien, pour créer des épingles qui cadrent bien avec ma formation de crypto-monnaie, je vais aller sur Pinterest ici comme ça. Je vais taper dans la barre de recherche ici, crypto-monnaie. Et voilà les épingles qui cadrent bien avec ma formation de crypto-monnaie. Donc, je vais m'inspirer d'une de ces templates ici pour créer moi mon épingle ici comme ça. Et oui, les amis, pour aller très vite, regardez ce que j'ai créé comme épingle ici. Donc, ce que j'ai fait, j'ai importé cette image là ici, comme vous pouvez le voir. J'ai appuyé sur l'onglet importer ici et j'ai vite importé mon image ici. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste amené le triangle là ici, comme vous pouvez le voir. J'ai appuyé sur éléments ici comme ça. J'ai appuyé sur triangle ici et regardez mon triangle ici. Je l'ai juste changé de couleur ici. Et donc, j'ai appuyé sur l'onglet test ici pour écrire le test là ici comme ça. Ok, donc je suis sûr que si vous êtes sur Canva, vous pouvez faire quelque chose ici comme ça. Donc ces petits trois flèches ici, je l'ai prise ici. Donc j'ai fini de créer mon épingle ici comme ça. Donc pour télécharger mon épingle sur Canva ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appuyer sur partager ici comme ça et ensuite je vais appuyer sur télécharger. Mon épingle sera téléchargé sur mon ordinateur. Et oui les amis, après avoir créé mon épingle, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir sur mon compte Pinterest ici comme ça. Comme vous pouvez le voir, je suis comme ça sur mon compte Pinterest ici comme ça. Maintenant je vais ajouter mon épingle que je viens de créer sur Pinterest. Qu'est-ce que je vais faire? Pour ça je vais appuyer sur créer ici comme ça et ensuite appuyer sur créer une épingle ici comme ça. Comme vous pouvez le voir, je suis redirigé vers cette page ici comme ça. Donc ici je vais appuyer sur cette flèche là ici pour directement importer mon image que j'ai créé sur Canva ici, mon épingle ici comme ça, comme vous pouvez le voir. Ok, directement mon image apparaît ici. Et oui, maintenant ici on me demande le titre de mon épingle. Ok, tout ce que je vais faire, je vais recopier tout ce que j'ai écrit ici, le secret pour réussir dans la crypto monnaie ok, c'est ce que je vais faire. Je vais recoller tout simplement ici le secret pour réussir dans la crypto monnaie ici comme ça. Maintenant ici on me demande la description de mon épingle. Pour ça je vais retourner sur système.io ici, sur la page de présentation du produit. Je vais essayer de copier quelque chose de la description qui est un peu pertinent ici, comme pour moi ici comme ça. Je vais juste recopier ça là ici et je vais retourner sur mon compte Pinterest. Je vais juste recoller la description que je viens de recopier ici comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ici? Ici, on me demande d'ajouter un lien qui va directement amener la personne sur la page de destination. C'est ce que je vais faire. Mais ici, faites attention, on ne va pas directement recopier notre URL et le mettre ici parce que Pinterest va nous bannir tout simplement parce que sur cette plateforme, Pinterest n'accepte pas les liens d'affiliation directe, ok? Pour ça, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant créer un site,
ok? Et oui, c'est très simple. Pour créer un site rapidement, je vous conseille d'aller sur Google ici et taper dans la barre de recherche ici, Google site ici comme ça, et vous cliquez sur le lien ici comme ça, comme je l'ai fait ici, et vous serez redirigé directement sur cette page ici comme ça. Et oui, si vous ne connaissez pas Google site auparavant, Google site est une plateforme de création et d'hébergement des sites web accessibles gratuitement, ok? Il offre la possibilité de créer des sites web simples et professionnels très rapidement sans connaissance préalable. Ce qui est formidable avec Google site est que vos articles peuvent être proposés dans le moniteur de recherche Google. Et oui, je suis comme ça sur la page d'accueil du Google site ici comme ça, comme vous pouvez le voir. Donc sur Google site aussi, il y a des templates qu'on peut utiliser pour aller très vite, ok? Donc moi, je vais appuyer sur créer un site ici comme ça, ok? Donc ce qui va me ramener directement sur cette page là ici comme ça. Et oui, ici on me demande le titre, de mettre directement le titre de notre article ici, comme vous le voyez. Je vais mettre le titre de mon article ici. Oui, c'était les secrets pour réussir dans les crypto-monnaies. Donc je vais redisposer le titre ici comme ça, comme vous pouvez le voir. Ok, ok, c'est bon. Donc mais je vais mettre le titre en grand caractère ici, comme vous pouvez le voir ici. Je vais appuyer sur grand caractère ici. Ok, donc je crois que c'est quelque chose qui est joli. Ok, c'est bien joli ici comme ça. Donc je vais changer l'image là ici, et je vais appuyer sur changer l'image ici, tout simplement importer une nouvelle image ici comme ça. Donc je vais choisir l'image là ici comme ça, comme vous pouvez le voir. Cette image là, ça cadre bien avec les crypto monnaies ici comme ça. Maintenant je vais mettre une description du produit ici comme ça, comme vous pouvez le voir. Donc je vais appuyer sur ajouter une page ici comme ça, comme vous pouvez le voir. Maintenant je vais aller sur la page de vente de ma formation Kingdom ici comme ça. Donc je vais copier quelque chose qui est pertinent à la formation. Je vais copier quelque chose ici comme ça, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez à partir de maintenant, ok? Donc vous pouvez voir ici. Donc je vais recopier quelque chose ici comme ça, ok? Donc je vais recopier quelque chose ici. Donc, je vais revenir sur mon compte Google site ici, et je vais juste recoller ici comme ça. Comme vous pouvez le voir, oui, j'ai recopié quelque chose qui est pertinent, ok? Donc c'est bon, c'est la description de ma formation ici comme ça. Je vais ensuite mettre un bouton d'appel à la formation, ok? Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais venir en bas ici, je vais appuyer sur bouton ici comme ça. Oui, donc ici qu'est-ce qu'on me demande? Ici on me demande un appel à l'action, ici on me demande le nom, donc de mettre le nom du bouton ici comme ça. Donc le nom du bouton sera un appel à l'action. Donc ici moi je vais mettre quelque chose, vous pouvez mettre un appel à l'action, ça peut être ici, vous pouvez mettre ici. Et continuer ici, ou bien accéder à votre formation ici, donc, ou bien quelque chose qui est intéressant, qui appelle à l'action, ok? Donc moi ici, moi je vais mettre ici quelque chose comme rejoignez la formation gratuite. Maintenant au niveau de la deuxième case ici, on me demande le lien, ok, le lien qui va vers ma formation. Pour ça je reviens sur système.io au niveau de la page de vente ici comme ça, comme vous pouvez le voir. Donc je récupère mon URL qui est directement mon lien ici comme ça. Donc je reviens sur Google site ici, donc je colle mon lien tout simplement ici comme ça, ok? Donc j'appuie sur insertion ici, ok? Donc on peut le voir, c'est mon bouton d'appel ici qui est ici comme ça. Donc je peux toutefois le redisposer ici, comme vous pouvez le voir ici. Donc je vais toutefois le redisposer ici comme ça. Et bien comme vous pouvez le voir, c'est quelque chose qui est ici comme ça, comme vous pouvez le voir. Donc si quelqu'un arrive sur notre page ici, il va lire le titre ici, il va lire la description de la formation, et il peut toutefois rejoindre la formation, ok? Donc une fois qu'il appuie sur le lien ici, il va rediriger ça, le lien va le rediriger directement vers ce site ici comme ça, comme vous pouvez le voir. Donc c'est ici qu'il va passer sa commande, et moi je vais gagner les 40%, ok? Et oui les amis, comme vous pouvez le voir, le site est en place ici comme ça, ok? Mais une fois fini de créer votre site, n'oubliez pas donner lui un titre aussi comme ça, comme vous pouvez le voir. Bon, moi je vais lui donner un titre ici comme ça, comme vous pouvez le voir. Meilleure formation crypto ici comme ça, ok? Donc je vais revenir ici, publier tout simplement mon site ici, ok? Ce qui va me permettre de récupérer le lien de ce site là ici. Donc ensuite je vais appuyer sur publier tout simplement, ok? Comme vous pouvez le voir, mon article est en train de se publier, et c'est fini, mon article est en ligne. Maintenant pour récupérer le lien de ce site, je vais appuyer ici comme ça, et je vais juste recopier le lien là ici comme ça. C'est mon lien de ce site là ici, ok? Une fois qu'on a récupéré notre lien ici comme ça, on va retrouver sur Pinterest ici comme ça, ok? Et on va juste recoller notre lien Google site ici comme ça. Maintenant on va essayer de publier notre article. Pour ça on va essayer de créer un tableau ici comme ça. Donc on va essayer de donner un titre à notre tableau. Et oui, on va donner un titre à notre tableau ici qui est crypto-monnaie, et ensuite on va appuyer sur créer ici comme ça, ok? Comme vous pouvez le voir, notre épingle est bien créée.
comme vous le voyez, si vous avez tout fait comme je vous l'ai montré, vous aurez votre premier épingle sur Pinterest ici comme ça, ok? Et bien comme vous le voyez, si une personne est à la recherche d'une formation de crypto-monnaie et qu'il rentre sur Pinterest, il peut toutefois tomber sur une autre épingle ici comme ça. Et s'il clique sur le ping, il va être redirigé sur cette page-là ici comme ça. Comme vous le voyez, il y a le type de notre épingle, il y a la description et il y a le lien intégré dans l'image ici comme ça. Et une fois qu'il clique sur le lien, il va être redirigé vers sur notre site ici comme ça, comme vous le voyez. Donc s'il lit un peu la description le titre de notre site ici comme ça, il peut toujours appuyer sur le bouton pour aller directement sur la page de vente de notre formation ici comme ça. Et toutefois, s'il arrive toutefois à payer cette formation ici, nous on va recevoir nos 40% dans notre compte system.io ici comme ça, tout simplement. Et c'est une façon de gagner de l'argent très simplement avec internet, ok. Et les amis, ce système que je viens de mettre en place va vous permettre de gagner de l'argent sur internet de façon très passive, et c'est quelque chose qui va jamais s'arrêter, ok. Et donc c'est quelque chose que je vous conseille de mettre en place avec cette vidéo là ici comme ça. Si vous n'avez pas compris la vidéo, il faut encore revoir la vidéo pour mettre ce que je vous ai montré ici dans cette formation en place pour commencer par gagner des revenus passifs sur internet à vie, ok. Je vous rappelle que vous n'allez pas faire directement comme ça de vente avec cette méthode. Maintenant, pour avoir des résultats avec cette méthode, un seul produit ne suffit pas. Vous allez appliquer cette même méthode sur plusieurs produits de votre niche. Et je vous rappelle qu'il vous faut aussi de la patience le temps que l'algorithme Pinterest vous repère et vous propose à cette public cible. Car vous pouvez faire votre première vente au bout de 4 à 5 mois après un long travail acharné. Et voilà, nous sommes à la fin de cette petite formation qui va vous permettre de commencer par gagner de l'argent sur internet. Et donc n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et ensuite appuyer sur la cloche de notification ici comme ça pour ne rater aucune de mes prochaines méthode pour commencer par générer de l'argent sur internet. Alors n'oubliez pas, abonnez-vous, likez la vidéo et partagez surtout. Donc on se voit dans une nouvelle vidéo. Ciao.